Mbote Nabalandi, GKAM Télévision, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité à l'émission Table de Vérité. Merci Nabino Bozolanda Biso de partout à travers le monde. Vous qui avez choisi cette chaîne pour nakopé sakabino ba information Oyo et les Kakanakati à République démocratique du Congo à travers analyse pe décryptage ndenge to sala kango. Na mwana mboka samba olonga ndenge na lobaka comme d'habitude mokili ezali balance, il faut être du bon côté, c'est-à-dire faire le bien parce que nyonso to salaka et futamaka d'une manière ou d'une autre. Justice ya nzambe moto mokote a échappaka nango. Soki oko échappé na contrôle ya justice ya mokili yeba que même dans l'au-delà une justice t'attend. Merci na apôtre Gérard Oazo pesa biso privilège ya ko présenter émission Oyo na GKAM Télévision et toute la coordination y compris technique ya GKAM Télévision. Merci à vous qui continuez de nous encourager na émission Oyo le Belarabino ba vérité. Bozola na biso na Londres, bozana na Paris na France, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes dans les 5 continents, vous êtes éparpillés à travers le monde, bozala kana souci ya koyeba nini ezali koleka na kati ya mboka na bino. Samba olonga vous rassure pour na komemela bino toujours basango ndenge bolinga koyeba ngo tebi ki actualité congolaise ezalaka pas facile à digérer, ezalaka pas facile à comprendre ce koza ko maîtriser certains éléments te yango to memela bino na facilité basango o eleka na mboka ndenge to décrypter ka yango ndenge to sayela ka bino ba analyse. Encore une fois de plus na souhaité bino le bienvenu de partout où vous nous suivez à travers le monde. Actualité ya mboka ezali dominé na match té ezali dominé na attaque oyo RDC azo faire face na ngo ya Rwanda. Tout mona ki M23 ko seton il y a de cela depuis plus d'un mois ba msusu voir 2 mois 3 mois ba osaki ton pona ko réclamer o eza ba du na bango. M23 ba lobaki ki gouvernement congolais azana ba nyongo na bango par rapport ya ba engagement oyo bango bazwaki. Engagement ngo bazwa yango nanani nous le saurons tout au long de cette émission. Mais là l'actualité ezali que le M23 soutenu par les Rwanda a fait incursion dans les sols congolais, a sali incursion te mais attaqué ba position ya armée congolaise soutenue par l'armée rwandaise. La preuve en est que vous avez landa ngo na ba réseaux sociaux, vous suivez à travers nos chaînes de télévision. Balakisi comment deux militaires rwandais ont été capturés après attaque au bango bamenaki na ba position ya armée ba kei ba gagner quelques villages. L'armée les a repoussés à tindiki bango musika jusque na dernier retranchement na bango. Tukulinga toye ba mystère nini ezali koleka derrière attaque oyo. Que cherchent les Rwanda? Quelle est la vraie position de Félix Tshisekedi vis-à-vis de ce qui se passe entre les Congo et les Rwanda? Il y a certaines personnes qui accusent qu'il n'y a pas longtemps, Félix Tshisekedi était main dans la main avec Kagame. Il disait de lui que c'était un frère. Avait-il tort? Est-ce qu'il y a solo Félix Tshisekedi azali collaborateur et à Kagame? Brouillard ezali entre politique réelle, il y a président Félix Tshisekedi na compréhension ba congolais bazali nango. En tout cas, émission Oyo dédiée spécialement n'attaque Oyo RDC azo faire face nango ya Rwanda tokolobela makambo Oyo nyonso. Accrochez-vous, abonnez-vous ceux qui n'ont pas abonné, prenez temps de nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos propositions. Pouete émission Oyeko bako kende liboso bomoni chaîne na bino ezali asika. Partagez nos émissions vraiment large diffusion, c'est Samba Olonga qui vous le demande. Na bolingo tozana ngo pona mboka, na bolingo tozana ngo pona chaîne na biso. Continuez toujours à partager nos émissions et vous ne serez pas déçus. Na otai koloba awa na sommaire que RDC est subir attaque ya Rwanda. Mingi tango tout le monde a venu me dire que Batubele bazwa ka peine te ya ko recourir dans le passé voir ce qui s'était passé avant ou banda ko analyser ou eza présent. Ils en analyse mon côté za ka malamu oyo to salaka soki o recourir na passé te ko yeba makambo uti wapi e komi awa ndenge nini pe ba solution o esengeli ete biso nyonso tozwa.
À titre de rappel, le M23 Zali en sigle, ça s'appelle le mouvement du 23 mars. Le mouvement là du 23 mars d'une certaine année, ils allaient qui créer y a Batumoko Bazalaki qui revendiquer que Bazalaki n'a pas engagement oyo bango bazwaki na l'état congolais. L'état congolais oyo wapi, il y a Joseph Kabila. À son époque, Joseph Kabila aï à prendre et signer des accords na certains mouvements rebelles. Ba mususu a signé na bango a kotisa ba élément na bango na kati ya armée congolaise. Ba koma ba officier ce que tozo lobela lelo infiltration. Tozo lobela lelo ki armée na biso eza infiltré au du sommet à la base. Ils a l'inde politique au Joseph Kabila même qui ce sont des décisions qui étaient prises à l'époque où Joseph Kabila était président de la République. Joseph Kabila président de la République tangwa monique cop na bango basala ki po ezali solo na bango tozolo bango na lingala po mwana nyonso ya mboka comprendre likambongo euta wapi. Kabila accordé des facilités à Kaga Paul Kagame. C'est une politique connue même par la communauté internationale. De manière où le Congo ezali ko subir justice moko internationale. Tout peut ezali ki ko subir justice internationale na lolenge nini. Les Rwanda, l'Ouganda et le Burundi et d'autres pays qui le faisaient par d'autres manières, basala ki invasion na Congo. Aucun pays ne respectait territoire ya Congo bandai ko violango. Nous avons subi à plusieurs reprises l'invasion de l'armée rwandaise, de l'armée ougandaise et j'en passe. Ba invasion wane bandai ko salema en connivence avec Joseph Kabila yemoko. Certaines rébellions même ba révélation ebimi na sima avant que Joseph Kabila quitte le pouvoir, que ces rébellions là ezala ki ba rébellion moko créée aussi par lui-même, qui lui-même entretenait. Mais ici parce qu'on parle du mouvement du 23 mars, ndenge tozo ko bengango M23 en sigle. Ce mouvement-là a été créé par des rebelles rwandais. Peu de Congolais sont là, la plupart sont des Rwandais. Et les autres, je ne suis pas tanzanien, les nationalités varient en fonction des années. Tellement, mais ça les a été dans le Congo, il y a certains Congolais qui vaguent. Tango, basou, qui basana et l'eau, quoi, ça la te, bakenagape, kokota, même dans le mouvement, wana ya bapaya, basanroule kuna, ne fût-ce que poise wakambongo, via ba massacre, na ba orientation, bape sakaye kuna. C'est comme ça que ce mouvement-là a dégénéré. Mais lorsque la communauté internationale, après bah, défenseur des droits de l'homme, bah, opposition congolaise à l'époque, avait été indiqué de Bakot ici, bah, demande de pour le mouvement Oyo, il a été demandé que compromis Mokwe Zouama. Mouvement, il y a 23 mars, Bazako Lukanin, contentieux na Bango et Zalaki vis-à-vis na Kabila. C'est un problème, il y a Kabila na Bango. Nandenga yokanaki na Bango. Engagement zoaki na bango qu'il faut apporter bango na armée comme tous les autres mouvements denga salaki na bango parce qu'il y a plusieurs mouvements où ils allaient qui créer tant au dialogue intercongolais ici là il y a des mouvements des partis politiques naïf sakabino ngombala na mbala ba parti politique ebélé et c'est où ils allaient qui ba mouvement rebelle ba RCD j'en passe ba MLC il y a plusieurs partis il y a bato ba kenda ko se réfugier dans zamba où écoute na ba institution. Et comment il y a la COP, c'est-à-dire que tout le monde va faire des choses, il va faire des choses, il va faire des institutions, ils vont se créer une rébellion. Peut-être qu'ils auront le soutien d'une entreprise multinationale, soit des politiciens, des mafieux, des politiques, des gens qui ont fait des canaux, des gens qui ont fait des choses, des institutions. Si ce n'est pas au sein de l'armée, ils seront na kati ya gouvernement, on va donner des postes ministériels, on va les engager dans les entreprises publiques, ils auront des grades. C'est ainsi que notre armée a été envahie par des généraux, non pas parce qu'ils ont rendu service à la nation, au pays, mais parce qu'ils étaient en rébellion et ils ont eu des accords na gouvernement en place qui va intégrer bango na kati ya armée. Nous avons au sein de notre armée des généraux comme ça, ici des mouvements rebelles qui aujourd'hui prétendent servir les drapeaux nationaux. Ça c'est un problème à part quand tu besoin sozo sosola yango. Mais ba M23 oyo na époque ya Kabila bakangaki munoko. Ba banda ki kolobelo côté. Tu yebi que depuis 2013 un compromis a été, il y a eu un compromis na M23.
sur base y a encore cadre d'Addis Abeba que bayo kanana gouvernement. C'est-à-dire on a mis à table le mouvement il y a 23 mars na Joseph Kabila. Il a pris les engagements ya kobanda ko futa ka bango ndenge ba futa na armée. Batu baza ba Rwanda, Rwanda za ko équiper bango, aza ko pesa bango minduki. Mais ces mêmes personnes là se permettent que baza la lissousu payer comme ba membre ya ba institution na kati République démocratique du Congo. Comme nos militaires. C'est-à-dire chaque mois bango pe ba futa ka bango. C'est ce que Kabila faisait, il y a même 23 bavanda na bango. Na coin wana bisika bavanda et ils sont payés par le gouvernement congolais. Félix Tshisekedi au pouvoir, conflit place et bandeli parce que Kabila tika bango. Ayebaki keza mazita na ye. Les Rwanda en bénéficie. Si on peut dire collabo, c'est Kagame le collaborateur de Kabila. Félix Tshisekedi aujourd'hui le kola ye n'impulse un changement. Alinga ki te que a créé conflit moko ouvert. Ala kisambala moko que ndenge tozawa nous avons des problèmes avec le Rwanda. En africain, il est toujours mieux de commencer par dialoguer. Ce qui Félix Tshisekedi a bengi Kagame que frère naye, mon frère, ça c'est mon frère Kagame, il n'a pas tort. Kagame c'est un frère parce que c'est un africain, c'est un voisin. Nyonso biso to kosala to longola Rwanda. Pembeni ya mboka na biso te. Rwanda a kotika la wana d'année en année jusqu'à la fin du monde. Nos fils et nos petits-fils, les générations futures, bakoye ba Rwanda, bakozala Rwanda kozala kaka wana frontalier na Congo. Ça c'est une autre réalité. Félix Tshisekedi est venu avec une vision. Cette vision est une vision de réconciliation, une vision ya komeka d'abord tourner page y a ba conflit ou ils allaient qu'opposer biso na ba pays voisins. Donc ici nalinga kina lobanine nalinga kina tali sa côté oyo M23 outi ce qui Royal Hands Foundation médicaments directs. Envoyez-nous l'ordonnance de votre proche depuis le Congo RDC, payez en ligne. Nous irons la chercher à la pharmacie, la livrerons directement à votre famille en moins de 24 heures. Visitez notre site www.royalhandsfoundation.com. Téléphone plus 44 73 05 94 65 59 plus 243 900 064 326 plus 44 73 05 86 94 88. Royal Hands Foundation, médicaments directs. Fli oyo et wuti wapi. Tant que Félix Tshisekedi bazo koutana na Kagame, le souci de Kagame, c'est de vouloir pérenniser leur système. Souci à Kagame, zalaki que ma zita na bango et sika bazalaki kolie la et continuer ko fonctionner. Ça dit de la même manière que Kabila, atiki la ki bango ba. Ba cercle na bango ya influence, madusu na bango, esika wapi batoke la kaba minere, esika wapi ba zone na bango, ekoma ya bango. Quand on dit que le pays a été vendu, batu balingo ndimate. Kagame voit très mal la politique menée par Félix Tshisekedi. Ça, c'est un point fort de notre président. Conflit à Félix Tshisekedi pour comprendre ango, il faut yé ba nature na yé malambo. Vous ne le verrez pas dans un conflit ouvert. Tout ce qu'il fait, Aza imprévisible, les gens ne savent pas voir position n'aille normal les années. Il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils voient le président de la République aux côtés de Kagame. Il peut même sourire. Il y a des gens qui s'inquiètent parce que le président de la République, lors d'un sommet, à Koutanina Kagame, comme en Jordanie il y a récemment, à Koutanina Kagame, et ils se sont salués en frères. Kagame a fongolé minoya zoseka. C'est vrai. En temps normal, les Congolais seront indignés. Les Congolais vont en souffrir. Mais c'est ça la politique, c'est ça la diplomatie. On ne peut pas engager des conflits ouverts. Il y a un moment où on peut déclarer la guerre ouvertement. Mais il y a un moment lorsqu'on a une stratégie, on la garde pour soi. On fait que l'ennemi ne puisse pas comprendre ce que vous envisagez faire, ce que vous voulez faire de lui. Si vous avez M23, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Félix Tshisekedi a dit que maintenant je suis fin prêt. Nazako équipé FARDC.
j'ai reçu aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui a acquis au changement, c'est-à-dire l'Ouganda de Museveni, qui faisait aussi partie de la politique d'invasion dans Rwanda. Mais bango au moins va comprendre vent oyoyé avec Félix Tshisekedi. Si le secrétariat d'État américain, ba américain oyo ba parrainaki oyo ba salaki carte ya politique ya balkanisation ya RDC. Si les Américains qui ont accepté que des millions et des millions de morts meurent à l'est du Congo sur base d'une politique qu'ils avaient faite bandimi lelo que Félix Tshisekedi a accédé na pouvoir. C'est quoi la vision du futur? Est-ce que c'est pour balkaniser le Congo dans une mission que Kabila a échoué malgré nos millions de morts? Voilà là où les Congolais ne savent pas pousser leurs raisonnements plus loin. Olé à Kofinga Tshisekedi, il faut profiter de la présence d'un digne fils du pays à la tête du pays, parce que sa présence change tout. On n'avait pas connu un Kagame bavard, parce que Kagame nous l'avait bien promis dans le bilan même dans l'émission. Kagame a promis à Kibiso que Biso Tokoti kate que insécurité et à Kokote Panabiso Kouita pas pays moko voisin. Toza obligé à se défendre, nous irons. Nassina Yebisaki Batubele que là Kagame a sali déjà faux pas. Parce que même Bapare Naye, Oyo ba favorisa qui est après génocide pour accéder au pouvoir, déjà ba vomir. Chaque jour qui passe, les taux se resserrent autour du régime Kagame. Le département d'État américain a une autre politique pour l'Afrique centrale. Et la base de cette politique, c'est le Congo. Le président congolais est porteur d'une nouvelle vision américaine. Outre ma prérogative, naïe, outre Kozalane, y a président du Congo, mais il est aligné dans une politique américaine en Afrique centrale. Et ça, les Congolais normaux ne peuvent pas comprendre. Les Congolais normaux ne peuvent pas comprendre pourquoi. Parce que ça se passe au sommet de l'État. Au cœur d'un État, il y a toujours des secrets qu'on découvre dans l'ensemble. Mais on peut faire confiance à quelqu'un qui a prêté serment comme président de la République de prendre des décisions d'État. Lorsque ce sont des décisions d'État, il n'y a pas de cœur, c'est sans âme, mais c'est pour l'intérêt général. Mais Tomoni Kagame n'a souci na yé. N'a pas si na yé à moni mena ke a komi ko perdre ben intérêt nyons. On ne peut plus clair pour tozonga li sou soit ya koloba comment économie rwandaise est en perte de vitesse. Ba société oya satira ki parce qu'aujourd'hui le Rwanda était devenu un modèle. Ba français bazo sa ilaka bango publicité. Un pays où le tourisme va bien, modèle économique, un modèle d'organisation en Afrique centrale. Basé sur le sang des Congolais, basé sur la politique des prédateurs. Ba miyibi ya minene bazo yiba bache yo petit moko wana, yo pe, oza la kaloko la avant-gardiste na bango. Oza la kaloko la yo moutouza ko attaqué alors que miyibi ya minene, ba prédateur ya monde, ba sali complot contre RDC. Que ordre ekotate na RDC, que la RDC ne soit jamais un état normal ou eko fonctionner normalement. Ça c'est un complot. Si aujourd'hui les Congolais dans leur inconscience n'arrivent pas à se maîtriser, comprendre qu'ils sont victimes d'un complot international qui ne veut pas que le Congo soit un État. Le Congo doit être une zone en désordre. Et que Moutounion soit l'un qui a reçu par Naye, Azouanaye. Et le Banango fait Etienne Tshisekedi que Congo est un gâteau à Moutounion, toutes les puissances, Bazako Wele, la Moutounion, a reçu par Naye. Si on veut du coltan, on trouve au Congo, on veut l'uranium, c'est au Congo qu'on en trouve. On veut quoi? C'est au Congo qu'on en trouve. Et Kagame souffre aujourd'hui parce que à mon politique, il y a construit Zaki, il y a Rwanda, et Zalaki Nde, vache à l'énaïe, c'était le Congo. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, partout, ce sont des verrouis, Batrounion, Sobazak, Okangayango. Et voilà pourquoi il est monté. Et là, la confidence, le secret, c'est que c'est maintenant le déclin de l'empire Wana Imatuti. Oui, ça dit que l'armée congolaise est à l'infiltrer, Congo est à la fragiliser. Les mêmes pays, Oyo, Banvaïsa qui est RDC avec l'aide des puissances internationales, pour subir ça Wana. Ce sont des pays qui seront dirigés par la RDC. Je l'ai dit parce que ça m'a quand même stratégique, mais ceux qui ont le sens
du bon analyse. Bato bazan analyse ya malamu bazo comprendre bakoye bake stade to komi façon Félix ce que dazo kende na makambu. Les petits pays qui nous entourent seront sous notre direction, c'est-à-dire Congo est en vocation à puissance. Les 9 petits pays qui nous entourent normalement biso lokola toza parmi ba pays moko à haute stratégie sur le plan géostratégique. Sur le plan mondial, combien de pays ont des frontières et belende bazaka nango wana? Logiquement, si nous nous organisions en termes de puissance, bah petits pays lokola ba Rwanda, Burundi, ils doivent dépendre de nous. Notre modèle économique, notre puissance politique fera fonctionner ba pays wana nyonso. Ça, c'est une vocation, nous sommes faits pour être ça. Lokola tozwa ki batute bakokaye ko lobela Congo, o bakokaye ko zala na vision wana. Comme ma vision à Grand Congo, voilà pourquoi nous avons partagé. Je retourne au Homme 23. Donc, Basali attaque parce que après plusieurs jours, Oyo Bango Basengaki na l'État congolais. Bandeko Senga Félix c'est que dit que Basolola. Basolola nini ndenge nini nous ofu tabiso mbongo na bisote. Ndenge nini badu na bisote ozana ba papier awa au signa bo signa. Que bon banda ko futa ka biso metomoni awa bozo futa biso lisusu te boko osenga biso biso to longwa te biso toza na ba accord to signa Félix Tshisekedi atuni bango ba accord bo signa na kombo ya l'état congolais bo signa ngona nani et c'est quels accords Félix Tshisekedi ne reconnaît pas ba mazita wana donc Joseph Kabila a des accords signés na ba mouvement ebélé zone Congo tango bazolo ba gemboka basi ba teka. Voilà la réalité qui illustre mieux ma propos au Tolobaka. Mbokesi et Tekamanango. C'est très clair ici de comprendre frustration M23 Baoutiwap. Comme ils sont en connivence avec Kagame, Kagame a lobby maintenant Bokende, n'a pas soutenir Bino. Il a osé maintenant aller là où il ne fallait pas faire. C'est la goutte d'eau qui va faire déborder la vase. Pourquoi? Parce que Lokola ya Poussaniwana. La RDC et quelqu'un qui a le mot RDC c'est d'envahir aussi les territoires rwandais. Ça je vous donne comme une révélation. Sachez que dans les jours qui viennent RDC armée na épée koko tati na Rwanda mukoloka ka rébellion moko e kosale na Rwanda, c'est le départ de Kagame et c'est pour très bientôt. Certaines choses ne sont pas à dire aux médias. Mais Kagame est lui-même en train de construire maintenant sa tombe parce qu'il ne comprend pas la vision d'aujourd'hui. Il y a certainement des Congolais, certes des Congolais dépassés par les événements, qui ne maîtrisent pas la politique d'aujourd'hui. Bazo ye bate Félix Tshisekedi azo salanine. Félix Tshisekedi est un bon représentant de l'État congolais, est un bon président parce que grâce à sa politique, Kagame est démystifié. A longo lié na poche ya communauté internationale. Bisika nyonso Kagame a kotaki oya bomba maki na Nations Unies et pas ba juifs na États-Unis. Reste qu'une partie des Européens ont en perte de vitesse parce que l'Europe n'a plus rien à offrir. So tuni ba offrir ba africain de manière sincère, ba linko ko collaborer na nani ba kotangela au pays européen te. Parce que l'Europe a beaucoup détruit l'Afrique. Nde bato ba komi base na ye asuka. Na lobango na ba émission ebele qu'il y a une grande rébellion qu'il voulait encore créer. Bango ba européen ba français ba linga ki ba sa sur rébellion ya munene na est ya Congo. Faute de créer rébellion bango ba linga ki ba sa la. Yangwana ba se camper na M23 ba lingi mena Rwanda a envahir Congo pour na ko protéger ou ezali zone na bango d'influence ma belé na bango ba si bakanga. Et je viens de le dire que c'est fini pour Kagame. Il vient de commettre la bêtise qu'il ne devait pas faire. Moni bien bakoti, l'armée congolaise, chaque jour qui passe, l'armée congolaise a monté en puissance. L'armée congolaise a été fragilisée par Joseph Kabila. Abomi badine fils du pays, au bazaki na capacité à lobby soki le Rwanda wana tokozwango na mukolo moko dans 24 heures. Rwanda attendait bazako luba wana Rwanda ba Rwandais nan babunda guerre. Les Rwandais envahissaient le Congo ba yebaki bien que l'armée congolaise est fragilisée. L'armée congolaise n'a pas un soutien politique nécessaire. Les Rwandais savaient ça.
Bah, il y a bien que l'armée congolaise est déjà fragilisée en bande de côte. Mais na combat boue de sol que armée congolaise contre armée rwandaise, que ce soit sur le plan numérique, sur le plan nombre et militaire, que ce soit sur le plan tactique, l'armée rwandaise ne représente rien face au Congo. Mais bah, il s'est campé dans la stratégie, il y a complot international où il y a une force basée en Angola. Moi, je peux déjà vous rassurer sur base de toutes les informations que nous avons. Les petits Rwandais bazo zonga na petitesse na bango ba kozonga na sika na bango ba envahir mais kaka na moins de 24 heures Rwanda ba yeba sali attaque na armée congolaise armée et riposté ba yeba landi bango ti na dernier retranchement na bango ba capturer même des Rwandais. On les a attaqués même sous le plan aérien bolanda bango ti na bamboka na bango. Ça, c'est un message à nos frères congolais, ceux qui vont comprendre que, parce qu'il n'y a plus question de se lamenter. Et là, il y a maintenant, au Congo, il y a ouvertement, maintenant qu'on a annoncé guerre au Rwanda. Maintenant, tout à l'heure, ils vont réellement résister. Mais parce que c'est une guerre à multifacettes, guerre, moi, qu'on a la réalité, voilà pourquoi les réserves sur le plan diplomatique existent. Il y a une politique qui accompagne Moussala Oyo armé Nabiso Ezakosa. Je pense que le président de la République, là où il se retrouve, il est déjà monté. Et Tikali Moukie, bateau va longola Kagame za bateau ba yakinaye. Le Congo va remettre Kagame à sa place. Bateau va kokende naye. Parce qu'on ne sait pas prédire l'avenir naye. Mais si on ne le tue pas, kaka na bateau ba yakinaye, on va les chasser au pouvoir comme un chien. Parce que là, nyonso ya kanisa ka construit zaki. Kagame pensait qu'il a construit quelque chose qui va durer longtemps. Alors que zalaki nango géant moko à pied d'argile. Ya za ko sala nango gloire à Monique, mboka nange komi modèle, le Rwanda est komi poule d'attraction, un petit pays tout ça, ça s'est construit sur les sang des autres pays. Na déstabilisation pays mususu yo komi si pays na yo organisé. Et tout ça en complicité avec des Congolais, oyo baluli na bango basi, ebele baluli na bango kozala na ba immeuble, ils s'enrichissent au dos du peuple congolais. Babo makabande kona bino, bino bokenda kosala ba kobete na Rwanda. Ici, je vais parler na bandeko oyo baza ko s'attaquer na président de la République qui confondent les époques. Tshisekedi collaborateur ya Kagame. Mais vous oubliez d'où nous venons. C'est l'AFDL nde mutweza la base ya ba malero. Tant on a zolo ba yango, ba tunso a zolo ba o Kabila sa kenda, Kabila kenda te, ba contentieux nyonso toza nango, eza retourne autour ya Kabila. Nous cherchons à récupérer un pays déjà vendu. Oyo ba portion nyonso ba si ba kabola na ba toa mitindo na mitindo. Nani moussous toko tou na soki Kabila te. Nani moussous toko évoke soki eza Joseph Kabila te. Yo fandi na poto, ya malamu zolia, to fandi na Congo awa. En ezo tinda yo banda kosatake na Félix Tshisekedi. Présentez-nous un accord signé par Félix Tshisekedi avec des mouvements rebelles. Depuis Félix Tshisekedi a yé, wapi accord au Félix Tshisekedi a signé un mouvement rebelle. Mais ce qui est comme ça, un placard. Il y a nombre d'engagements au Joseph Kabila Zuna dans un mouvement rebelle. Totanga, prochainement, nous allons risquer de faire une liste de généraux et belé. Il y a une armée congolaise grâce à un mouvement rebelle. Ba makambo ba sala na dialogue intercongolais zalai ki ba tourner pas joana mais Kabila tourner autour de ça parce que c'était sa mission. Mission na Ezra ki a ko enterrer l'état congolais et il avait bien fait à enterrer l'état congolais, à instaurer banditisme d'état. Aujourd'hui nous souffrons parce que l'état congolais était quasiment existant, n'existait plus que plus. Autoza ko benga ba institution ezana ngo ba institution ya pillage. C'est ça la vision y a institution bango balinga ki ba stabiliser dans la forme tozo mona un état avec des institutions mais au fond c'est un pillage institutionnalisé, c'est un banditisme d'état et les bandits nous les voyons aujourd'hui. Si les kabilistes ont le courage les loba za ko loba na présente Tshisekedi que non il ne fait rien, nos frères mères à l'est, mais ça c'est de l'hypocrisie, c'est la sorcellerie. Qui sont à la base de tous ces massacres banani oyo ba valider ango. Pendant que Kabila nous trompait ici, Bambunza Mabe, Bamamadou Ndala, qui les a tués pour favoriser que la politique wana na bango et se perpétuer. C'est bel et bien Joseph Kabila.
Mais aujourd'hui, les Kabylistes pensent qu'ils sont plus amoureux des Congolais que Félix Tshisekedi qui vient d'arriver. Ça, c'est un message qu'on lance aux amnésiques et fous. Parce que Moutou a souffert une amnésie, mémoire et Zalakali Souté. La mémoire d'un amnésique et Zalakali Souté a eu problème, perte, il y a mémoire. Il a tout oublié. Mais les gens normaux au Congo ne peuvent pas digérer l'information et ça qu'on a dit à FCC, soi-disant les Kabylistes qui sont aujourd'hui amoureux du Congo. Ces manipulateurs-là qui ont envahi toute notre sphère médiatique pour nous couper cette information, comment Félix Tshisekedi échoue. C'est un apprenti, il a tué le Congo. Alors qu'il savait que nous sommes en bébé, c'est que ça n'a pas si pour réparer. Vous qui voulez vous distraire dans le message en Dengewana, vous voyez que le président Félix Tshisekedi, c'est le président que le Congo n'a jamais connu depuis son indépendance. Là, il y a un problème au Félix Tshisekedi sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan social, économique. Aucun président congolais n'a été face à ce genre de réalité. Un pays détruit pendant plus d'un demi-siècle. Et pendant 50 ans, nous avons eu deux présidents inutiles pour le Congo. Oh, basically, qu'on ça, qu'on planifie et l'autre côté, basically, qu'on prévoit et l'autre côté pour l'avenir, Yamboka. Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui nous a amené dans ses troupes avec Vazneya ba Rwanda ya kina bang. Bon, tokoloba parce que yende muto atimoli li boulo yo malam, mobuto asa atimoli he okunda. On les cite presque pas parce que c'est un pouvoir éphémère. Mais Kabila na mobutu, c'est 50 ans. Qu'est-ce qui a été prévu? Vous savez ce que représente 50 ans en termes de développement? Vous savez ce que ça signifie 18 ans en termes de bonne planification, en termes de bonne éducation, on est en train de former des futurs cadres. Évitons la folie, nos chers frères et sœurs, même si Yozo Zelafeli Tshisekedi, que Ayaka a répondre dans ma kambo, oh Isaiah Libumunayo, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui attendent les changements dans leur ventre. Mais il y a plus que ça, pour que votre ventre soit satisfait, pour que vous puissiez manger à votre faim, les vrais problèmes sont d'abord d'ordre politique, les vrais problèmes sont d'ordre économique, il faut une stabilité sur le plan institutionnel. Bitumbeza makasi likolo avant yo ya komona lipa yo kolia, olia ngona talo malam, bakabela yo angope parce que nous sommes dans un pays hautement riche. Tout était déjà vendu. Ce qui est pire, réseau salana maweza que les Congolais qui souffrent dans leur propre pays, presque esclaves dans leur propre pays, ne maîtrisent rien de ce qui se passe dans Katamboka na Bango. Ça fait pitié, pendant que je fais ce numéro, il y a déjà dans les réseaux sociaux qui prennent Félix Tshisekedi pour leur bête noire. Mais avez-vous pris le temps de questionner le passé? Bomita la touta ki wapi to komi wapi, Félix Tshisekedi fait quoi? Toyebi ke balinga ki ba komi sa biso na nzala na biso, ba réduire quotient intellectuel to koma na niveau ya bonyama. To réfléchissa ka lesusu te, la plupart de nos réflexions se limitent là où notre ventre se limite. Donc, on réfléchir, c'est un complot. Mais il y a quand même des gens qui résistent parce que si tout se passe dans le ventre, tu n'es plus un homme. Bon, tu n'as plus de valeur. Il y a une façon, au Bissoba Congolais, de soutenir le président de la République, c'est d'être conscient de nos responsabilités. Responsabilité na biso ba congolais, il faut épouser biso pour agir de manière conséquente. Manière conséquente, c'est que nous avons des bandits d'État. Certaines personnes, oh, bazako se revendiquer politiciens, bazako créer chaque jour ba théorie, bazana ba média, bazako ba communication sophistiquée pour vous attirer. Ce sont les criminels, ce sont des prédateurs. Bato ba lingi que Congo ezala na désordre pour bango ba continuer kolia nde bato wana. Vraiment, très chers téléspectateurs, vous comprendrez les fils patriotiques qui animent cette émission. Cette attaque de M23 doit nous pousser à réfléchir. Nous ne sommes pas à ce stade-là. Que ces députés-là se taisent. Que ceux qui sont vraiment nerveux. Mais bino bato bozana poto bo komi si Tshisekedi bête noire. C'était Kabila avant. Na minute komi Tshisekedi kolabo. Ola mugi na tongo fingi Tshisekedi na midi o fingi Tshisekedi le soir.
oyo bengi koza la combattant pona yo yango wana suki na mafinga tu rentres ozo profiter na mbongo ya mwana na yo oyo na poto yebi ke soko za na mwana on te paye ozo lia mbongo ya mwana tu penses pour toi que kuvanda na poto tu es plus amoureux du Congo que bato baza à l'intérieur. Il y a nos frères qui insultent le président de la République qui pensent que pour eux, c'est ça aimer le Congo. Vous ne faites rien. Ce que Congo ya solo sala lokola ba ukrainien. Enrôlez-vous dans l'armée. Muto azolo ba ki bazo mindu ki ba kabola la population, lui aussi a des intentions criminelles. Il y a ki ba armée ba milice na bango. Ça ça ne se fera pas au Congo. Que ceux qui ont vraiment la vocation bato baza ko baza na souci ya mboka ba kende ko kota na armée. C'est dans l'armée qu'on forme ma défenseur loyal et à patrie. Merci à vous d'avoir choisi de suivre cet élément que j'avais fait consacré uniquement pour la Makambo Italie M23. Nalisanga, Ilongo, Penabolingo, Nde Bisoto Weba Kolonga. Nous savons que nos phares d'essai font un travail de titan. Toujours Senga Pena ministère na biso ya défense. Il faut ba communiquer au Yobino Bosalaka à un moment de problème. Et à la paix de transparence et toucher le fil patriotique. Il ne faut pas toujours de communiquer. Moko boya on dirait bato bazako se lamenter bazozo ngakasima. Notre armée fait un sacré travail. Il faut à un moment réveiller les fibres patriotiques. Au Rwanda, il ça fait longtemps que bazako éduquer bana bazako la kisabango Congo mboka na bango. Bazako la kisabana miké école primaire ndenge nini okoko rassembler munduki. Pourquoi pas chez nous? Il faut changer aussi la rhétorique, changement de narratif. Oh, Patrick, moi, il y a Oza et là, qui s'y fait dans le moment, il y a les Kambo. Il faut qu'on touche le fil patriotique. Donner l'information comme il le faut, Congolais, nous soyez, que nous sommes en guerre. Comme ça, même, Bango Rwandais, en tout cas, les Congolais sont réveillés. Mais, bien, on peut faire sa information, on dirait, non, nous ne voulons plus de ces Congolais-là. Oh, yo, ceux qui ont attaqué Bango, tout ça, qu'on se replie, kaka, dans la riposte diplomatique. Il nous faut aussi un Congo, ceux qui va attaquer Bissot. On réveille toute la population que vous devez être debout. Les Congolais ont besoin de ça pour quitter la distraction. Je pense que dans le Biming, une émission, vous l'aurez constaté, fil patriotique oblige. Parce que tout ça, dans le moment où il y a un inversé courbe et anti-valeur. Et le prédateur, il y a un Bissot dans le système pendant longtemps. Il y a une courbe et anti-valeur, il y a l'inversé. Voilà pourquoi nous, Congolais, qui aimons notre pays, cessons de nous distraire. Tout le monde a la distraction. Informons-nous de manière normale, avec de bonnes informations. Évitons d'être manipulés par Batu Oyo, Bazana Bolingombo Kate, Intention Nabango et Siyebani. Soutenons notre armée. Soyons tous phares d'essai. Parce que être phares d'essai, Zaga Kola, ta tenue, t'es à peine à Moutema. Soit aux Anna Moutema, n'a un esprit militaire ou esprit à soldat. Aux assauts pour Nambokanao, tu peux défendre ton pays à n'importe quel moment. Merci d'avoir suivi cet élément. Je remercie l'équipe technique qui était coordonnée par notre cordon Papi Samba et la réalisation qui était toujours par lui. Merci à l'apôtre Gérard qui nous a aussi donné cette occasion pour te présenter l'émission Oyo. Napesibino, merci. Partagez nos émissions. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Tomonani, prochainement. Royal Hands Foundation, médicament direct. Envoyez-nous l'ordonnance de votre proche depuis le Congo RDC. Payez en ligne. Nous irons la chercher à la pharmacie. La livrerons directement à votre famille en moins de 24 heures. Visitez notre site www.royalhandsfoundation.com. Téléphone plus 44 73 05 94 65 59. Plus 243 900 064 326 plus 44 73 05 86 94 88. Royal Hands Foundation, médicaments directs.